Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans Néhémie. Tozali na buku ya Néhémie. 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 2. Mukapwami balé. 17. Zomi na sambo. Je leur ai alors dit. Bongo na ebisi bango. Vous voyez vous-même. Bino moko bozo mona. La malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu vois toi-même la malheureuse situation de ta famille. Est-ce que tu vois toi-même la malheureuse situation des nations? C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Jérusalem est en ruine. Et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et nous ne serons plus dans le déshonneur. Depuis que j'ai commencé ce message, l'Esprit m'a conduit à te montrer les malheurs qui frappent ta famille. En mettant le curseur sur le premier malheur. Manque d'unité familiale. Manque d'unité dans nos familles. Qu'est-ce qui divise ta famille? Qu'est-ce qui est à la base de problème dans ta famille? N'en sois pas l'auteur. La Bible dit, recherchez la paix avec tout le monde. La paix suppose qu'il y a des conflits. Et le Saint-Esprit s'adresse à l'Église en lui demandant de rechercher la paix. C'est-à-dire qu'il y a un travail que chacun de nous doit faire. Et comme tout travail, cela va nous demander des efforts. Des efforts de dépassement de soi. Cela va nous demander à tuer notre moi, notre orgueil personnel. Cela va nous demander à nous humilier. Bien-aimé, sans cela, il y aura toujours des conflits dans nos familles. C'était le premier malheur. Nous venons dans la maison de Dieu, mais nous ne faisons pas attention à ce qui se passe dans nos familles. Et peut-être même que c'est nous qui venons dans la maison de Dieu qui sommes à la base des problèmes que vivent nos familles. Alors où est Christ? Christ est-il venu diviser? Christ est-il venu séparer? Lis Jean 17. Tu comprendras que le royaume de Dieu, c'est un royaume uni. Que chacun de nous fasse quelque chose. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et construisons nos familles selon le modèle du ciel. L'humilité, l'amour, la compréhension des autres.
La foi en Jésus-Christ. Kondimakat na Yesu Christ. Il ne faut pas oublier que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Tobo sanate ete biso tozali ba nzenge neke na Yesu Christ. Tant que nous vivrons, il y aura des problèmes dans nos familles. Tant que nous vivrons, il y aura des problèmes dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ne viennent plus dans la maison de Dieu parce que quelqu'un leur a raconté je ne sais quoi. Fais attention, bien-aimé. Si quelqu'un est assis dans les choses de Dieu, quel que soit ce qu'on lui raconterait, s'il est venu ici poussé par l'Esprit de Dieu, personne ne peut le détourner de la voie de Dieu. Personne, aucune circonstance. Alléluia. Amen. Levons-nous, bâtissons. Il y a manque d'unité. C'est un malheur. C'était le premier malheur. Il y a un déshonneur attaché à ce malheur. Nous avons dit. C'est la division. Parfois, quand j'ai réfléchi à ces choses, je me dis, il y a un problème. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que ceux qui écoutent la parole de Dieu ont accueilli Satan dans leur famille. Ont ouvert la porte à Satan, au diable, dans leur famille. Le Seigneur Jésus a dit, chassez-les. Mais ceux qui viennent dans la maison de Dieu disent, venez. C'est ça le problème. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans ta famille et chercher la paix de ta famille si tu ne tues pas ton orgueil personnel. Si tu n'acceptes pas l'inacceptable. Si tu ne supportes pas l'insupportable, je répète tout le temps ces choses pour que tu comprennes. Communauté chrétienne, famille puissante. Il ne faut pas oublier. La famille puissante, elle est puissante en ce qu'elle cherche à plaire à Dieu. Elle est puissante en ce qu'elle fait la volonté de Dieu. Elle est puissante en ce qu'elle fait ce qui est conforme à la parole de Dieu. Même si tout le monde était contre nous, mais dès lors que Dieu est avec nous, cela nous suffirait. Alléluia. Amen. Joseph, est-ce que tu as lu Joseph? Joseph. Tous ceux-là qui sont entrés en Égypte à un moment crucial, à un moment dominé, marqué par la famine. Il était avec eux, même mère, même père. Ah, lis la parole de Dieu. Chez sa mère, ils étaient au nombre de combien? Hein? Deux. Est-ce que tu as lu ça? Peut-être que quelqu'un qui n'est pas de même mère avec toi va t'aimer plus que celui-là qui est de même mère. Fais attention, bien-aimé. N'entends pas dans ces considérations qui sont propres à des gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une malédiction dans tout ça. Et ça s'appelle malheur. Il y a aussi un déshonneur. La division. Recherche la paix. Introduis la paix dans ta famille. Si cela ne dépend que de toi. Introduis dans ta famille la paix. Christ étant le prince de paix.
Le cinquième malheur, nous l'avons relevé dans Luc 17, verset 1. Et je voudrais lire avec toi que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il ait des pièges, des scandales, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Les scandales dans nos familles nous font trébucher. Des scandales dans la maison de Dieu nous font trébucher. Des scandales là où nous travaillons nous font trébucher. Le Seigneur dit, malheur à celui qui en est responsable. Auteur de scandale. Dans cette version, on parle des pièges. Ce sont des pièges de l'ennemi. Tendu par l'ennemi. Quand tu vois ton frère se dresser contre toi. Quand tu vois ta sœur se dresser contre toi. Quand tu vois, si tu veux que je parle ici, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante se dresser contre toi. Il faut voir l'ennemi derrière lui. C'est l'ennemi, ce ne sont pas eux. Malheureusement, nous avons tendance à ne voir que l'apparence physique. Alors qu'il y a une dimension hautement spirituelle derrière ces choses-là. Il faut comprendre que c'est l'ennemi. Ou bien tu fais plaisir à l'ennemi, ou bien tu le chasses. Alléluia. Amen. Faire plaisir à l'ennemi, c'est entrer dans le jeu. Parce qu'ils me font ça, je vais prendre telle attitude. Tu es entré dans le jeu. Et tu auras du mal à jouer dedans. Parce que tu ne connais pas ce jeu-là. Fais attention, bien-aimé. Déshonneur, Sony, nous avons dit, il y a blocage. J'ai rappelé ces deux malheurs, ces deux déshonneurs. Néhémie 2, verset 19. Sambala, le Horonite. Sambala yamboka Horonite. Tobija, le fonctionnaire ammonite. Tobija Moussa l'état kuna yamboka ammonite. Et Geshem l'arabe. Pe Geshem yazalaki arabe. On t'a pris ce qui s'était passé. Bango ba yoka ki makambo elekana. On t'a pris ce qui s'était passé. Ba yoka ki makambo elekana. Ils se sont moqués de nous. Ba tiola ki biso. Et nous ont traités avec mépris. Pe ba yeba kina ko finga biso. Bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. Les gens vont apprendre des choses à ton sujet. Et ils vont colporter cela selon la fécondité de leur imagination. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils auront raconté à ton sujet. Ce qui est important, c'est ton attitude. Est-ce que tu comprends ça? Les gens vont rapporter des choses. Ils vont même amplifier les choses. Mais si tu pouvais seulement savoir quand le faisant
Ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Pourquoi vas-tu participer à ça? Quand les gens se moquent de toi, quand les gens te méprisent, il ne faut pas entrer dans leur jeu. Je le répète. Parce que quand les gens sont en train d'amplifier les choses en les rapportant à leur manière, bien-aimés, ils se condamnent. D'un côté, ils font ta publicité parce que ceux qui ont du bon sens, lorsqu'ils auront entendu ces choses, vont douter. Vont dire, mais ça, je doute. C'est de la publicité gratuite. De l'autre côté, ils sont en train de s'enfoncer. Parce que la Bible dit dans Proverbes 19, verset 5, le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Celui qui dit des mensonges, où qu'il aille, où qu'il se cache, la parole de Dieu est claire, la sentence est claire et elle est sévère. Il ne va pas échapper. Il ne va pas échapper à la sanction. Qui va le sanctionner? Qui va le sanctionner? Est-ce que tu comprends ces choses? Qui va le sanctionner? C'est pourquoi quand les gens te font des choses, Dieu te dit, a lui la vengeance. Non, tu n'es pas dans cette affaire. Ne prie pas contre eux. Ah non, ça c'est des prières, des païens. Je vous envoie le fait. Jésus a fait ça. Quel apôtre a fait ça? Où est-ce que tu as eu ça? Tu lis quelle parole de Dieu? Tu as reçu quelle révélation? Non, pasteur, moi, c'est le Seigneur qui m'a dit de prier comme ça, d'envoyer le feu à ces gens-là. C'est une révélation d'inspiration démoniaque. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Aimez ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la parole de Dieu. Le reste, ça vient de l'ennemi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de maisons de prière. Mais il y a peu de maisons d'enseignement. Nous, nous prions. Nous ne sommes pas seulement une maison de prière. Donc, il faut comprendre que nous sommes la maison de Dieu, la maison de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seulement une maison de prière. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais la maison d'enseignement où on ne parle que de Christ, on ne parle que du royaume de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Amen. Les gens vont se moquer de toi. Tu traverses des moments difficiles. Les gens ont trouvé matière à se moquer de toi. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je suis sûr qu'ils sont même allés chercher à voir le roi pour faire ce rapport. Roi, tu sais qu'il y a ces juifs qui sont là, qui sont en train de comploter contre toi. C'est ce qui se passe à travers les nations. Quand on est à côté d'un roi, et que
on a une voix prépondérante, on doit savoir que l'ennemi numéro un du roi, c'est le mensonge. C'est l'intoxication. C'est la désinformation. Alléluia. Amen. Il en est de même dans nos familles. Il y a des spécialistes en mensonges, des spécialistes en désinformation, en intoxication. Il y a des spécialistes. Ne sois pas compté parmi ces spécialistes. Verset 20. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Nous allons nous lever. Pourquoi faire? Et nous mettre au travail. Quel genre de travail? Est-ce le travail de destruction ou le travail de construction? Nous allons nous lever et nous mettre où? Nous mettre au travail. Que quelqu'un comprenne ça. Nous allons nous lever et nous mettre au travail. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et mets-toi au travail. Quand tu donneras à Dieu de ton temps, donne à Dieu de ton temps. Tu as beaucoup donné au monde. Maintenant, donne à Dieu de ton temps. Donne à Dieu de tes capacités, de tes talents. Qu'est-ce que tu sais faire dans cette vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Ah non, moi je sais faire telle chose. Tu es dans la maison de Dieu. Dieu t'a donné un don, un talent. Mais quand il s'agit de bâtir la maison de Dieu, tu demandes à être payé. Eh, hey, bien-aimé, tu viens dans la maison de Dieu et tu demandes à être payé parce que tu as un talent qui doit être mis à contribution pour la gloire de Dieu. Ba baby sayo. Ba lokayo. Non, bien-aimé, je ne comprends pas ça. Tous les services rendus dans ce monde ne sont pas à monnayer. Bien-aimé, il y a des services que tu vas rendre sans être payé. Refuse cette récompense-là. Cherche la récompense qui viendrait du ciel. Ah oui, Iyo. Même si cette récompense va te coûter cher. Mais pour qu'elle soit une bonne récompense, une meilleure récompense, il faut qu'elle te coûte cher. Il faut qu'elle te coûte cher. Allons dans Hébreux 13. Et souligne tout ce que tu vas entendre. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. Car c'est à de tels sacrifices. Que Dieu prend plaisir. Quand Dieu prend plaisir à quelque chose, qu'est-ce qu'il peut pas faire? Un roi a offert à une pauvre jeune dame
Akabela, la tête d'un grand prophète Akabela, au cours d'un adversaire motu, kaka, tout yam, simplement yam, parce qu'il avait pris plaisir à sa façon de danser kaka, ninga bande kubina. Et la, il a dit à la jeune dame bina, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. La jeune dame est allée comploter avec sa mère. Comme il a pris plaisir, demande-lui la tête du prophète Jean-Baptiste. Et elle est revenue. Donne-moi la tête du prophète. Sans réfléchir, la tête du prophète lui a été donnée. Ça, c'est ce que fait le diable. Le diable est tenté en elle pour se venger. Se venger de quoi? Le diable est tenté en elle parce que le diable s'est souvenu qu'un jour, un homme du nom de David avait coupé la tête à Goliath, qui était l'incarnation du diable. Et David, David s'est promené avec la tête de Goliath partout. Alors le diable a dit, okay, David, prophète, ok, moi aussi je vais chercher un jour un prophète. Oui, bien aimé, il faut comprendre les choses. C'est pourquoi je t'ai dit que quand tu vois ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce n'est pas eux, c'est le diable. Et le diable cherche toujours à se venger. Je suis en train de te dire que tout n'est pas monnayable. Ok, fais le bien. L'entraide, kosungana, car c'est cela que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Nous lisons. Tokotanga. Je leur ai fait verset 20. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever, non pas pour détruire, mais pour bâtir, et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Vous n'avez bien aimé. C'est ça, la vie chrétienne. Tu as part à quoi? Quels sont tes droits dans cette vie? Quels sont tes privilèges qui mettent une différence entre toi et ceux qui ne sont pas chrétiens? Quels sont tes privilèges? Tu as part à quoi? Quels sont tes souvenirs? Parce qu'on est dans un monde envahi de mauvais souvenirs. Les gens, comme tu es assis là, tu es en train de me suivre, est-ce que tu peux compter le nombre de bons souvenirs que tu repasses dans ton cœur, et le nombre de mauvais souvenirs, c'est-à-dire des choses que les gens t'ont fait? Tu verras, il y aura beaucoup plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. C'est quel chrétien? Vous voyez notre situation de malheur. Le malheur, c'est ce qui te fait mal. Le malheur, c'est ce qui te prive de tes droits. Tu lis la parole de Dieu, mais tu vis autre chose. Tu viens dans la maison de Dieu, mais ta situation n'est pas celle de quelqu'un qui fréquente Dieu. Tu cries, tu gênes, mais rien ne change. Alors examine-toi.
Examine-toi pour voir si tu es toujours dans la foi. Examine-toi pour voir s'il n'y a pas quelque part un péché caché. Examine-toi pour voir s'il n'y a pas toujours des ressentiments en toi. Examine-toi pour voir si tu n'as pas enterré des gens dans ton cœur. Que chacun de nous s'examine et revienne à Dieu. Chaque jour qui passe, examine-toi. Et tu verras que si Dieu tarde à te donner cette bénédiction dont tu as besoin, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore la vengeance dans ton cœur. Il y a encore la haine dans ton cœur. Il sait qu'il y a encore des mauvaises choses, des mauvais souvenirs dans ton cœur. Et le temps que Dieu prend avant de te donner ces choses, ce temps, c'est pour permettre à Dieu de te vider de ce mauvais contenu. Dieu ne peut pas te donner ce qui lui appartient lorsque ton vase, le vase que tu es, nous sommes des vases d'argile. Dieu ne peut pas te donner ce qui lui appartient lorsque ton vase est rempli des choses qui glorifieraient le diable. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni les gens de chez toi. À travers toi, Dieu a béni ta famille. Dieu a béni la maison de Dieu. À travers toi, Dieu a béni des gens. Apprends à faire le bien. Celui qui fait le bien doit s'attendre à boire le calice de l'ingratitude. Ce ne serait pas du bon vin. Ce serait un vin amer. L'ingratitude, quand tu fais du bien, prépare-toi à affronter l'ingratitude. Et quand tu fais le bien, pour que tu n'en souffres pas face à l'ingratitude, chaque fois que tu feras le bien, ne t'attends pas à ce que les gens qui ont été bénéficiaires de ta générosité te rendent l'appareil. Ne t'attends pas à des contreparties. Nous donnons gratuitement et nous oublions. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Iyo molingami. Ça, c'est la vie des hommes. Yango ndebo mwinabato. Tu as fait du bien aux gens. Yo sali bato bulamu. Ce sont les mêmes personnes Isaka bato moko wana qui vont cracher sur ta main. O ba koya kobwa kela. La même main qui les a nourris, ils vont cracher sur cette main. Koya kobwa kela ngosoi. Mais il faut que tu sois enseigné. Si vous enseignez de yo land o zwa malaki. C'est la parole de Dieu. Isa ilo bananza. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lève-toi et bâtis. Téléma petonga. Lève-toi. Téléma. Au-dessus de la mêlée comme nous l'avons dit. Lève-toi pour voler comme les ailes. Lève-toi pour bâtir. Téléma petonga. Bâtir. Otonga. Un nouvel ordre spirituel. Dans ta famille. Nakata libota nayo. Là où tu travailles. Yosalaka. Bâtir Gotonga. Des attitudes comportementales Bizaleli. Qui donneraient gloire à Dieu. Ah, il m'a provoqué. Ah, ya tumbuli, elle m'a choqué. Ah, salinga pas. Alors, tu ne comprends pas? Oso solati. C'est une personne faible. Et c'est une proie du diable. Yazali musuni azabulu. Le diable est en train de l'utiliser. Et toi, tu te fâches contre lui ou bien contre le diable. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais te montrer trois choses. Première chose,
Il dit, vous n'avez ni part. Alors, il besoin d'être cicaté, être ni mon côté. Deuxième chose, vous n'avez ni droit. Alors, il besoin peine à ningi saté. Troisième chose, il a mis sato. Vous n'avez ni souvenir. Vous allez peine à ma bande de mon côté. À Jérusalem. Na Jérusalem. Mais avant cela, parce qu'il besoin rien. On lui a posé des questions. Matuna qui est motuna. Vous êtes en train de vous révolter contre le roi ou quoi? Peut-être même qu'ils sont allés faire des rapports. Plutôt que de répondre à leurs préoccupations, il leur parlait de ce qu'ils ne voient pas. Il dit, nous allons avoir le succès. Et nous t'avons posé une question claire. Vous êtes en train de comploter contre le roi ou quoi? Il dit, nous aurons le succès. Donc, deux mondes diamétralement opposés. Deux mondes à part. Tu es chrétien pour ne plus entrer dans le monde du diable. Le monde du diable, c'est le monde de la provocation. Le monde du diable, c'est le monde de l'injure facile. Le monde du diable, c'est le monde de la médisance. Tu es chrétien pour vivre dans un autre monde, dans un autre univers. C'est l'univers des choses inébranlables. Il y a un univers qui est celui des choses ébranlables. Il y a aussi un autre univers qui est l'univers des choses inébranlables. Vous voulez voter contre le roi? Nous aurons le succès. C'est quelle est la réponse? C'est la réponse d'un homme qui connaît Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir, trois choses. À quoi as-tu part? À quoi as-tu part? Tu as part aux médisances? Tu as pas au moqueri? Et si quand on est au tio là, à quoi as-tu parlé? Et si quand on est à Wapi, lis la parole de Dieu. Tanga ilo balanzambi. De Pierre, 1:4. Peut-être l'ami balé mokapali bosso mon ami. 3:14. Pour ne parler que de cette. Peut-être l'ami balé. Participant. Pourquoi bato tu as ne sika? Participant. Bato bazo ne sika. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nakata bonzambi. Participant de la nature divine. Les gens te regardent. Ils disent, ah, oui. Et rien ne te perturbe. Bien-aimé, il faut que les gens arrivent à dire que tu aimes ceux qui ne t'aimaient pas. Ça, c'est un bon témoignage pour toi. Participant de la nature divine. C'est-à-dire, tu dois apprendre à oublier. À oublier des choses qui risque de se transformer en des véritables liens. Apprends à oublier. Ne te souviens plus des événements anciens. Une telle personne t'a fait je ne sais quoi. Elle t'a causé beaucoup de préjudices. Oublie ça. Tu es encore vivant. Pourquoi ce préjudice-là ne t'a pas conduit à la mort? Tu es vivant parce que ce qui t'attend est plus grand que ce qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Ah, comme je suis là. Je n'aime pas le sentir. Je n'aime même pas le voir. J'étais quelqu'un de calme et de bien. Mais depuis que je l'ai rencontré, il m'a amené dans des trucs bizarres. Ma vie est détruite. Vraiment, ce garçon-là, je n'aime pas. Attends de parler de lui. Oublie ces choses.
ce qui t'a fait est peu de choses par rapport à ce qui t'attend. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Tu es participant de la nature divine. Participant de Christ. Tu sièges dans le conseil des grands. Quand tu parles, Dieu entend. Quand tu ouvres, Dieu entend et agit. Quand tu fermes, Dieu entend et agit. Alors pourquoi vas-tu passer ton temps à vouloir gérer le passé? La mauvaise gestion des mauvaises choses qu'on t'a faites pourra te priver des plans de Dieu pour toi. La mauvaise gestion des mauvaises choses qu'on t'a faites yo pourra te priver des plans de Dieu formés pour toi. La mauvaise gestion des mauvaises choses qu'on t'a faites pourra éloigner la bénédiction divine de ta vie. Merci, Père. Comment tu gères ce qu'on t'a fait? Participant, tu as part à quoi? Participant de la nature divine. Ton problème, un, cherche à connaître Christ. Nous sommes dans Philippiens. Lis l'épître aux Philippiens. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Connaître Christ. Celui qui connaît Christ doit connaître aussi la puissance de sa résurrection. Celui qui connaît la puissance de la résurrection de Christ doit s'attendre à être exposé aux souffrances de Christ. Deux, ton problème c'est quoi? Connaître Christ. Deux, vivre avec Christ pour Christ. Celui qui vit avec Christ et pour Christ fait tout ce qui lui plaît. Quel est ton problème? Ton problème, et c'est ce que le Père attend, c'est que tu ressembles à Christ. Tu ressembles à Christ. Qui t'a vu ne s'interdira pas d'évoquer le nom de Christ. Il va dire, tu ressembles à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est de partager la gloire de Christ aux incrédules. Christ s'est dit, Christ, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai donné ta gloire. Fais connaître. Partage cette gloire à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Participant. Deuxième chose. Deuxième grand point. Quels sont tes droits? Tes privilèges en tant que chrétien. Tu cherches quel privilège? Parfois tu parles des choses que tu ne comprends pas. Ça serait simplifier les choses. Ton plus grand privilège depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, tu as la vie éternelle. Mais ton plus grand privilège, c'est que tu n'as pas besoin de protocole pour avoir accès à Dieu.
Quand tu frappes à la porte de Dieu, la porte s'ouvre. Tu n'as pas besoin de protocole. Tu as le privilège d'avoir accès à Dieu. Nous qui vivions loin de Dieu, par son sang, nous avons été rapprochés de lui. Quel privilège! Quel privilège! C'est ça ton droit. Et quand tu as accès à Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Tu peux poser tes problèmes. Tu peux demander ce dont tu as besoin. Tu peux lui dire ce que tu voulais lui dire. C'est ça le grand privilège dans cette vie. Tu as accès au roi des rois. Au Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que tu as accès à tout ce qui lui appartient. Et le Saint-Esprit est venu confirmer cela. Il est venu pour nous donner non seulement ce qu'il a entendu, il est venu nous annoncer et nous donner ce qui appartient à Christ. Alléluia. Amen. C'est ça ton privilège. Maintenant, quel est ton souvenir? Quel est ton souvenir? À partir d'aujourd'hui, oublie les mauvais souvenirs. Efface-les. Tu es enfant de Dieu. Et tu sais comment tu es devenu enfant de Dieu. Tu sais comment tu as été adopté dans la famille de Dieu. Tu sais comment Christ t'a pardonné. Tu sais comment tu as été justifié. Tu sais comment tu as reçu la rédemption. Quel sacrifice qui pouvait consentir à un tel sacrifice? Qui pouvait accepter un tel sacrifice? Mais Dieu s'est fait homme. Il s'est humilié. Il est venu se sacrifier sur la croix pour des pécheurs. Quels sont tes souvenirs? Ah, parce que moi, j'étais en relation avec tel, mais les choses qu'il m'a faites, je n'oublierai jamais ça. Tu es où? Tu es où? Tu es dans quelle vie? Ça, c'est quel esprit? Tu es animé de quel esprit? Si tu es animé de l'esprit de Dieu, tu peux plus dire ça. Ah, parce que moi j'ai travaillé à tel endroit, mais ce que mon chef a fait, vraiment, non, quels sont tes souvenirs? Ton plus grand souvenir, c'est que Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a accepté d'aller à la croix pour toi. C'est ça ton souvenir. Ton souvenir, c'est qu'il ne s'est pas limité à la croix. Il est allé dans la tombe. Ton souvenir, il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité dans ses morts. Ton souvenir, c'est qu'on l'a vu partir vers le Père. Il est assis à la droite du Père. C'est ça ton souvenir. Est-ce que tu comprends? Aucune maison d'occultisme ne va te dire ces choses. Aucun de leurs leaders n'a fait ça. Aucun. Sois fier d'avoir ce souvenir-là. Et là, tu serais en train de t'élever pour bâtir. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, pour y arriver, il y a des choses que tu dois comprendre. Tu dois comprendre ce que dit
Le psaume 63, verset 2 ou verset 1 chez toi. Oh Dieu, oh, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Je ne cherche pas à régler des comptes à ceux qui m'ont fait, à ceux qui m'ont causé un énorme préjudice. Mais je cherche Dieu. Je te cherche. Tu cherches quoi? Tu cherches qui? Je te cherche. Ma tante est là. Tata moi c'est nangana. Tota. Aolukangai. 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 Bon, tant aolukayo azuyo. Osaleni. Osaleni. Na ozongi c'est les makambo ya salangai. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Wana oku mukli soti. Asalomabe. Asalomabe. Salai bolam. Yo salem. Même s'il ne te le dit pas, même si elle ne te le dit pas, mais dans son fort intérieur, son cœur va commencer. Bien-aimé, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Tu as soif de quoi? Quels sont les désirs de ton cœur? Parle-moi des désirs de ton cœur. Et je te dirai, si tu as été justifié, si tu as été adopté, si tu as été pardonné, si tu as reçu la rédemption, parle-moi des désirs de ton cœur. Néhémie et chanson du roi. Il avait intérêt à sauvegarder son travail. Et chanson du roi. Voyant le roi à tout moment. Mais les désirs de son cœur étaient des désirs divins. Quels sont les désirs de ton cœur? Tu viens. Si le pasteur ordonne que dit arrêtez-nous ces climatiseurs. Oh, mais pasteur, pourquoi il fait ce genre de choses? Et tu vas même dire. C'est quelqu'un de capricieux. C'est quelqu'un vraiment, on ne le comprend pas. Mais tu viens. Est-ce que tu sais qui a offert ça? Oh, pasteur, je n'ai rien. C'est ça le problème. C'est ça un piège. Si tu continues à dire que tu n'as rien, le rien enfantera le rien. Mais si tu comprends que lorsque tu n'as rien, tu dois investir dans le royaume. Si tu comprends, sans contrainte, tu investis dans le royaume. Le rien là, ce rien là, enfantera l'abondance. Ah oui. Tu viens ici. Quels sont tes désirs? Tu te demandes qui paye le loyer ici? Même si Dieu nous a donné ça. Oui, mais pour le moment, il y a une étape à franchir. Qui paye le loyer ici? Qui lève sa main? Ah, j'ai suivi les messages à la télé. Ah, oh, j'ai aimé ça. Qui paye? Bien-aimé. Il était une chanson du roi. Il a pris de son temps, de ses moyens, de ses capacités. Il a mis ça à contribution pour construire, reconstruire, rebâtir la muraille de Jérusalem. Et c'est cela qui pouvait lui donner satisfaction. Qu'est-ce qui te donne satisfaction? Ah, bien-aimé. On est chrétiens tous. Mais nous sommes différents les uns des autres de par nos désirs. Alléluia. Amen. Cette veuve, elle avait ce qu'on peut appeler rien. Elle a vu Jésus-Christ en train de recevoir les dîmes et les offrandes. Elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle est allée donner.
Et Jésus-Christ s'est dit, il y a deux catégories de personnes ici. Il y en a qui donnent le superflu. Ils auraient pu donner plus que ce qu'ils ont donné. Mais il y en a qui donnent le nécessaire. Ce qu'ils avaient pour vivre. Tu fais partie de quelle catégorie? Bien-aimé, je te dis que moi, quand le Seigneur m'a appelé, je n'avais rien. Mais le Seigneur m'a interdit de me poumonner à demander de l'argent aux gens. L'Éternel m'a interdit de vendre les CD, les vidéos, des choses, des livres que nous allons écrire. Il m'a interdit. Il dit, ne fais pas ce que tu verras les gens en train de faire. Même ceux qui t'ont précédé, ne les suis pas. Et je reste conforme à cette vision céleste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Je suis en train de terminer. Quels sont tes désirs, les désirs de ton cœur? Verset 5. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je leverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. La parole de Dieu, c'est Matthieu 4 et 4. Est une nourriture spirituelle. Et l'Esprit dit que l'homme ne vit pas que de pain seulement. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Mais cette parole, pour qu'elle ait de l'effet dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu aies foi. Tu peux écouter, mais si tu n'as pas la foi, or la foi va te pousser à agir conformément à ce que tu as écouté. Il faut que tu aies foi. Or la foi, c'est le sel qui donne à la parole de Dieu son véritable goût. C'est ça la foi. Les satanistes écoutent la parole de Dieu. Mais ça ne leur fait rien. Parce qu'ils n'ont pas foi en Christ. La foi, c'est le sel qui donne, qui procure à la parole de Dieu son véritable goût. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que tu as déjà compris ça? Vous êtes, tu es le sel de la terre. Parce qu'il y a en toi la foi. Verset 7. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, tu penses à quoi, à qui sur ton lit? Avant de quitter ton lit, prie d'abord, tu es encore sur ton lit, prie. Si tu pries en langue, prie à partir de ton lit. Alléluia. Amen. Je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Troisième chose. Quelles sont tes méditations? Les méditations de ton cœur. Quelles sont les méditations de ton cœur? Verset 8. Oui, tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Quels sont les attachements de ton cœur? Quels sont les attachements de ton cœur? Maintenant, je voudrais montrer quelque chose et je termine par là. J'ai déjà terminé.
Néhémie 2, verset 20. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs. Est-ce que tu comprends ces choses? Et nous, c'est Salinaye. En quoi sers-tu Dieu? Yo aussi la ganzambe na nini? En quoi es-tu servante yo serviteur de Dieu? Sali ganzambe na likambu nini? Parce que la parole de Dieu tranche là-dessus. J'aime cette parole. Na linga liloba oyo. Isaïe 65 13, je termine par là. C'est pourquoi. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel. Yahweh. Mes serviteurs. Basali nangai. Mangeront. Bakolia. Tandis que vous. Nzokande bino. Vous aurez faim. Bokoku fanzala. Il y a quoi? Il y a une bénédiction. Et il y a aussi une malédiction. Deuxième chose. Ils boiront. Tandis que vous. Kasibino. Vous aurez. Bokoku fanaposa mai. Vous aurez. Bokoku fanaposa mai. Une bénédiction. Et une malédiction. Ils seront dans la joie. Tandis que vous, vous connaîtrez la honte. Il y a quoi ici? Bénédiction, malédiction. Ils chanteront de bonheur. Tandis que vous, vous crierez de douleur. Et vous vous lamenterez. Et vous vous lamenterez. L'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une fourmille de malédiction. Vous laisserez votre nom comme une fourmille de malédiction. À ceux que j'ai choisis, ils diront que le Seigneur l'Éternel te fasse mourir comme eux. Lève-toi Téléma et construis. Petonga. Lève-toi Téléma et bâtis. Petonga. Lève-toi Téléma et bâtis. Petonga. Bâtir Kotonga n'est pas peu de choses. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais Dieu te donne la grâce qui te permettra d'accepter cette mission-là et de l'amener à bien. Lève-toi et bâtis. Téléma Petonga. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis aussi pour les autres. C'est toi qui dois faire quelque chose. Si tu ne fais pas la chose demandée par Dieu, personne d'autre ne la fera. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Pétez la mon conduit à ma conduit ma boko.